Deuxième partie avec Louis Garcia et sa maison d'édition Docteur Angélique qu'il a été forcé de monter. Non, je n'irai pas jusque-là. Vous voulez propager la bonne parole, vous aussi, de votre côté, en tout cas faire une continuation, vous m'interrompez, on est d'accord si je dis des bêtises, la continuation du travail de Saint Thomas d'Aquin et d'autres. Et le premier livre que vous avez édité, ce qui est original, c'est fait par Forum Interposé avec Arnaud Dumouche. Bon. Vite fait, parce que là on a passé déjà toute une partie pour vous connaître, et tant mieux parce que je vous ai en face de moi. Et je suis bien content d'avoir entendu vos expériences qui sont plus que troublantes. Et moi je me demande bien pourquoi j'ai rien du tout pour ma propre personne. Enfin bon, pourquoi vous et pas moi? C'est toujours la question récurrente. Arnaud Dumouche, lui, est théologien, propage la bonne parole parce qu'il a un site aussi, il n'y a qu'à voir les liens en bas de la page. Il fait des vidéos très intéressantes, il s'exprime magnifiquement bien, avec une petite pointe d'accent belge qui est pas plus mal. Il est marié, donc il n'est pas prêtre, il a des enfants, et il est bon, donc vraiment un théologien qui est reconnu par même les évêques de Paris. Par exemple, votre livre, il a eu l'imprimature Ouais, tout à fait. lors de la mort aux éditions Docteur Angélique par Arnaud Dumouche, mais il y en a d'autres. Vous en avez fait combien? 10. 10. Et vous êtes tous fiers des 10, il n'y a pas eu d'erreur, après vous n'êtes pas dit, oh là là, j'aurais jamais dû, non. Non, j'en suis très fier de tous ces livres, mais bon, certains se vendent mieux que d'autres, bien sûr. Bon, ça c'est Maintenant, c'était toujours. juste une question insidieuse de Voilà. ma part pour savoir Tout à si fait. l'éditeur faisait des censures et qu'il n'éditait que ce qu'il estimait correct à publier. Mais je publie déjà ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, et ce qui, je pense, amène un intérêt supplémentaire, voilà, dans la connaissance spirituelle. Si c'est pour rabâcher des choses déjà connues, ça m'intéresse pas. Donc, c'est vrai qu'en général, je publie des auteurs un petit peu originaux qui ont une vision un peu différente que la normale et un petit peu dérangeant parfois. Donc toutes les éditions faites par Docteur Angélique ont l'imprimature de Louis Garcia. Non, je ne donne pas d'imprimature, hein. Il faut être évêque ou archevêque. Arnaud Dumouche, donc je vais vite présenter parce qu'on peut se renseigner sur Internet sans problème. Autre chose à rajouter à son sujet, il est monumental ce garçon. Il est surtout très actif, il a plusieurs sites internet, il répond à toutes les questions dans son forum chaque jour. On doit être à peu près 900 membres maintenant sur son forum, enfin c'est vraiment énorme, il fait des vidéos, des enseignements. Je me demande comment il trouve le temps pour faire tout ça. Est-ce qu'il dort? Je me demande s'il dort. Et l'énergie, et l'énergie. Une énergie, ouais, Et alors, incroyable, donc hein. il est appelé, c'est une mission là aussi. Ben oui, je sais pas, il faut lui demander à lui, mais bon, c'est sa passion apparemment. Puis il a une thèse originale aussi à faire valoir, à faire comprendre, et qui n'est pas validée par l'Église, même s'il a reçu une imprimatur de l'archevêque de Paris. C'est pas une thèse qui est reconnue au niveau de l'Église. Non, parce qu'il y a des petits hors-cadres de temps en Voilà. temps. Très bien le livre. Alors naturellement, j'espère un jour rencontrer Arnaud Dumouche et puis lui dire très bien votre livre et on va en parler. Mais puisque là j'ai l'éditeur en face de moi et puisque c'est votre premier livre, jetons-y un coup d'œil et reprenons certaines petites choses. Effectivement, je pense que le mieux, ça serait que l'éditeur m'en parle. Parce que vous connaissez encore mieux ce que vous avez édité. Il y a certains points qu'Arnaud Dumouche, dans ce livre, qui s'articule aussi avec l'Apocalypse, hein, c'est l'heure de la mort pour notre mort personnelle, mais aussi l'Apocalypse. Il a fait des recherches sur les deux, la fin du monde et la mort personnelle. Et d'ailleurs, il associe souvent que l'Apocalypse, bah, finalement, quand on meurt, c'est notre Apocalypse aussi. Et il en déduit que le Christ, et on revient sur la première partie où on en parlait, baptisé catholique ou non, le Christ se révèle à tout le monde au moment de la mort. Ouais, tout à fait. C'est ça. Oui. Donc ça, c'est un des points qui était déjà soulevé sous Non. Saint Thomas d'Aquin. Non, c'est sa déduction à lui. Voilà, justement, il y avait plusieurs concepts, plusieurs dogmes de l'Église qui se contredisaient un petit peu, puisqu'on dit que tout le monde doit se voir, comment dire, proposer la foi chrétienne et l'enseignement et Jésus-Christ doit être connu de tous. Oui. Bon, ce qui n'est pas le cas déjà dans la réalité. Donc, comment une personne va pouvoir aller au paradis ou en enfer, au purgatoire, s'il ne connaît pas Jésus-Christ? Déjà, ça pose un problème. Voilà, donc il y avait quelques dogmes comme ça qui se contredisaient, et grâce à sa thèse, à sa théorie, tout rentre dans l'ordre et tout s'explique. Alors, il y a encore quelques petites contradictions, mais effectivement, là, on retrouve bien l'amour divin. C'est pas parce qu'on ne fait pas partie de la secte catholique qu'on ne va pas aller au paradis. Voilà. Dieu va se manifester à nous tous sur la planète et proposera le choix à nous, êtres vivants dans une autre dimension, de suivre Dieu ou de ne pas vouloir son amour.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je ne peux pas garantir ceci, mais on Mais alors, espère. bon, ça, c'est en tout cas, c'est l'une des Oui, voilà. thèses, même des certitudes d'Arnaud Dumouche, qui articule le livre d'une façon intéressante. C'est-à-dire qu'il y a 36 000 chapitres très bien faits, très bien détaillés sur l'enfer, sur le purgatoire, même sur l'âme des animaux. Bon, c'est un petit peu court pour moi, mais déjà, il a le courage d'en parler un petit peu. Il précise si c'est des choses certaines ou si c'est Oui. des choses qu'il a entendu dire et dont il soutient le propos, mais qu'il ne sait pas vraiment sûr. Donc, ça, c'est bon, au moins, il a l'honnêteté de préciser ce qu'il pense et de dire d'où viennent ces informations plus ou moins certaines. Il est branché à fond Saint Thomas d'Aquin, mais aussi Sainte Thérèse de Lisieux. Alors là, Sainte Thérèse de Lisieux, il en parle comme si c'était la super sainte mondiale, hein. Il n'y a D'accord. personne d'autre qui la dépasse. C'est amusant, parce que doit quand même. Enfin, moi, j'adore Sainte Thérèse de Lisieux, aucun souci. Et encore, on ne devrait adorer que Dieu. Mais il y a quand même d'autres saints et d'autres personnes qui ne sont même pas saints qui ont aussi fait des choses magnifiques sur cette terre comme dans l'au-delà, non? Ben oui, mais pas seulement, il se réfère aussi à d'autres saints mystiques, comme Sainte Catherine de Sienne ou d'autres, qui ont eu des visions de purgatoire et d'enfer. Et donc sa synthèse, en fait, vient de ces visions mystiques de certains saints. Et Sainte Faustine, alors, justement, je la Ouais, connais aussi. pas. Qui c'est, Sainte Faustine? Je ne l'ai pas lu entièrement non plus, hein, je ne la connais pas très bien. Ça fait partie des saintes qui ont eu des visions mystiques Oui, aussi. Voilà. oui, oui. Mais bon, il faut la lire pour bien, voilà, en avoir un avis, personnel. Bon. Vous n'en sortez pas trop mal sur ce coup-là. L'heure de la mort, c'est un titre qui peut faire peur, mais pas du tout. C'est très joyeux, si je puis dire, parce que on comprend que Dieu nous aime. Au tout début, Arnaud Dumouche présente une explication de Dieu, Dieu Alpha, Dieu Trinité, trois personnes. Après, il précise d'ailleurs que le mot personne, naturellement, pour expliquer Dieu, c'est déjà délicat. Certaines religions interdisent de représenter ou de parler de Dieu parce que forcément, on se mentirait à soi-même. Et je pense qu'ils ont raison. Donc, plutôt que de dire personne, d'autres théologiens laissent sous-entendre que Dieu, c'est le non-né, le Verbe et l'amour. Donc là, on s'approche un peu plus sur une sorte de trois dimensions, enfin, quelque chose de peut-être un peu plus compréhensible pour tous. Et pour lui, donc, Dieu, c'est en priorité l'humilité et l'amour. Et un Dieu humble, bah, ça, c'est assez nouveau. C'est nouveau depuis 2000 ans, oui. Donc l'humilité, c'est aussi la voie du Christ, c'est notre voie spirituelle. Pour atteindre l'amour, pour atteindre Dieu, il faut être tout humble. Ouais, c'est ce qu'il faut retenir. Donc l'humilité et l'amour sont notre voie spirituelle. Et vous, avec votre expérience mystique, allez, on va le dire, on l'a dit, pof. Dieu, il était Trinité, vous aviez vu qu'une énergie, finalement. Oui, et curieusement, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va paraître étonnant. Enfin, pour les catholiques, pour les chrétiens en général, la Trinité est un mystère, hein, difficile d'expliquer, etc. Moi, j'ai compris un petit peu la Trinité grâce au bouddhisme tibétain. Alors, c'est un peu particulier. Dans le bouddhisme tibétain, on parle beaucoup des trois corps du Bouddha, en fait. Bouddha a trois corps. Je vous dirai pas les noms en tibétain ou en sanskrit, hein, comme le Nirmanakaya ou Sambhogakaya. Le Bouddha, donc, a un corps de gloire, un corps manifesté, donc un corps de chair, et puis le corps absolu. Voilà. Et dans la voie du bouddhisme tibétain, c'est tout le monde, chacun entre nous, devrait réaliser ces trois corps, en réalité. Voilà. Réaliser, c'est-à-dire. C'est-à-dire, nous sommes tous destinés à devenir des Bouddhas, normalement. C'est-à-dire qu'on doit prendre conscience qu'on a trois corps en nous ou on doit les travailler et les faire aboutir, ces trois corps. Bon, il y a plusieurs écoles où il y a des variantes, mais certains disent que ces trois corps, on les a déjà. Il faut en prendre conscience simplement, mais ils sont déjà là, on les a déjà. D'autres vont dire non, c'est un potentiel qu'il faut développer, qu'il faut travailler, en plusieurs vies, on va y arriver. Bon, il y a quelques petites variantes comme ça. Ça n'a aucun rapport avec ce que disent pas mal de médiums, qu'on a le corps éthérique, Non, qu'on non. a l'aura, et puis qu'on n'a aucun corps spirituel. Non, c'est Non, pas. non, Non. aucun rapport avec ça, non. D'accord, mais j'ai eu raison d'en parler. Et donc? Et donc j'ai fait le rapprochement avec la Trinité. Bon, alors c'est un peu délicat, hein, mais Non, c'est vrai, parce que Dieu nous a fait à son image. Donc ça voudrait oui, dire voilà. que. Je pense qu'il y a des rapprochements à faire et ça serait intéressant d'approfondir ces rapprochements. Personne ne l'a fait, il me semble. Donc j'attends un auteur qui me propose ce genre de rapprochement, je le publierai volontiers. Pour les bouddhistes, il y a trois corps qu'on doit parfaire, si je comprends bien. Je prends des notes, hein. Et alors, c'est sur différents plans, différentes dimensions, ou c'est en même temps sur Terre, Ben, c'est en même temps et non, difficile toujours à dire, puisque bon, ce monde dans lequel nous vivons,
gérer, enfin, comment dire, nous sommes dans un espace-temps qui finalement n'est peut-être qu'une illusion pour les bouddhistes. Donc c'est une réalité relative, vont-ils nous dire. Donc il y a la réalité relative, la réalité absolue, qui en réalité sont en même temps, puisque la réalité absolue est en dehors du temps. Donc la question du temps ne se pose plus. Voilà, mais c'est en même temps. Pour les trois corps, c'est un peu pareil. Mais il y a un corps intermédiaire entre le corps absolu et le corps physique. Il y aurait un corps de gloire, donc qui expliquerait des apparitions qui arrivent aussi en Orient, de Bouddha qui peuvent se manifester dans des corps de gloire, ou même en Chine, le plus connu est la déité qu'on appelle Kuan Yin, qui est un peu à la ressemblance de la Vierge Marie. C'est une dame habillée en blanc et bleu qui apparaît dans différents lieux, voilà, très connue en Chine populaire. Donc le corps de gloire, ça peut être sous-entendu aussi le Christ ressuscité, on peut faire l'analogie. Oui, on pourrait dire que non seulement le Christ, mais nous-mêmes, parce que nous serons ressuscités, puisque dans l'enseignement catholique, à la fin des temps, nous allons tous ressusciter. Même les damnés, hein, qui iront en enfer auront un corps de gloire ressuscité, avec un certain nombre de pouvoirs extraordinaires par rapport à notre corps, physique actuel. C'est là où on retombe dans le livre L'heure de la mort d'Arnaud Dumouche, où il dit quelque chose d'effectivement très compréhensible sur l'amour de Dieu qui nous laisse néanmoins libres de notre choix, même s'il a écrit notre chemin, que certains évitent en allant prendre des traverses pour aller du côté bouddhiste. Néanmoins donc, notre liberté au niveau de l'arbitrage du choix est totale. Et Arnaud Dumouche précise bien que si, quand on est mort, on refuse le chemin du Christ et l'amour de Dieu, et que donc on se damne pour aller ailleurs en enfer ou que sais-je, Dieu se réjouit aussi par amour pour ce damné. Il a laissé le choix au damné de faire son choix, et donc il est content aussi pour lui, sachant aussi que de toute façon, comme on a l'éternité devant nous, au bout d'un moment, on va peut-être comprendre qu'il y aurait intérêt à se retourner vers Dieu, même si on est le piraté. Très drôle ça pour Malheureusement, Internet, Adopi, piraté, très bien. Le pire, virgule, athée, donc, de la planète. Bon, alors, s'ajoute aussi à ce que vous avez dit, un intérêt et une interrogation de ma part sur la religion catholique. Vous avez compris, je trouve un peu étonnant qu'on soit, puisque je suis catho aussi, les meilleurs, qu'on ait vraiment le chemin de la vérité et que de l'au-delà, Saint-Pierre, qui gère déjà pas mal de choses, nous fait bien comprendre que c'est par son biais et par Jésus-Christ que tout marche bien. D'autant plus que, et c'est marqué dans le livre, il y a des analogies, vous me parliez au niveau de l'apparition de Dame Blanche qui ressemblait à la Vierge Marie, mais il y a aussi des analogies avec les Égyptiens. Arnaud Dumouche en parle vraiment un petit paragraphe de rien du tout, en nota bene, mais effectivement, Isis, Osiris, on pourrait faire une analogie avec la Vierge Marie, avec Jésus-Christ qui est ressuscité. Et les Égyptiens, le livre des morts égyptiens, ils avaient quand même compris pas mal de choses, l'enfer, etc. Enfin, ils étaient déjà bien intéressés sur la chose et bien illuminés, voire guidés de l'au-delà, je suppose, par Dieu. Enfin, rassurez-moi sur une chose. Effectivement, il y a des coutumes, il y a des folklores assez récurrents, il y a des légendes anciennes qui reviennent, hein, souvent la Vierge, un dieu qui descend pour la mettre enceinte, etc., dans différents pays, à différentes époques. Mais enfin, Osiris, Isis n'ont pas vraiment existé, c'est des dieux légendaires. Et par contre, le Christ, c'est le seul dieu sur Terre, on est d'accord là-dessus. Alors, c'est bizarre qu'on puisse s'associer à des coutumes, légendes anciennes. Et c'est étrange aussi que bon nombre de prophètes aient annoncé souvent le Messie qui arrive et que sur différentes époques et différents pays, il y ait toujours un Messie plus ou moins légendaire. Là, heureusement, enfin, on a eu le Christ véridique, l'homme historique qui est arrivé, parce qu'on ne peut pas vraiment associer ce qui a été précédemment écrit. Non, enfin moi j'ai pas étudié l'Égypte ancienne, la spiritualité des Égyptiens antiques. Hein. On se semble que les bouddhistes pourraient dire pareil. Pour eux, le Bouddha Sakyamuni, donc le Bouddha historique qui a vécu 500 ans avant Jésus-Christ, pour eux, c'est un peu comme Dieu incarné, quoi. Voilà, c'est un peu le concurrent direct de Jésus-Christ, quoi. Oui. Voilà. Mais à part ce cas-là, je vois pas dans d'autres traditions, non. Je n'y a pas. Il n'y a pas. Non. Donc il y a le côté légendaire qui peut peut-être nous préparer à la chose. Il y a à l'inverse l'histoire d'Adam et Ève qui peut être dénaturée dans un folklore au fur et à mesure que le siècle passe et puis on n'a plus la vérité.
Et puis quand même, dans le livre d'Arnaud Dumouche, lors de la mort, je ne pense pas qu'il parle du Christ concurrent Bouddha. Hein. Non, Non, pas du tout. non, Non, c'est sinon moi qui ça serait parle de mal ça. vu. Hein. C'est moi qui parle de ça. Oui. Mais bon, on le sait, hein, quand même, à notre époque, on a accès à toutes les connaissances et bon, on est à peu près au courant de ce qui se passe ailleurs et chaque religion a tendance à dire que c'est elle qui détient la vérité. Hein. Bon, ça, c'est un peu classique. On le sait. Pour revenir aux Égyptiens, en revanche, dans le livre des morts égyptiens, par exemple, on peut lire clairement ce qui ressemble ensuite aux 10 commandements de Moïse. On les retrouve déjà bien avant Moïse dans le livre des morts égyptiens. Donc là aussi, on peut imaginer un lien. Moïse, lui, ayant été éduqué par les pharaons et les Égyptiens, ça pourrait mettre un doute sur les 10 commandements qui venaient de Dieu directement, mais pourtant, on les connaissait avant. Donc c'est un petit peu curieux aussi. Bon, il y a des tas de choses comme ça hein, qu'on pourrait faire correspondre, mais Est-ce que bon. finalement, et ça va être gentil tout plein de dire ça, le souffle divin, le Saint-Esprit souffle depuis des siècles et des siècles, et que l'homme l'interprète, le comprend plus ou moins bien, puis c'est Dieu continue de propager la même info qu'on capte plus ou moins bien. Oui, certainement. Et puis, nul ne peut prédire l'avenir non plus quant à la compréhension de la spiritualité. C'est Jésus lui-même, je ne me rappelle pas la parole exacte, mais qui dit qu'après, donc après lui, viendra l'Esprit Saint pour continuer à nous révéler la suite de l'enseignement et du message, quoi. Il les Donc, donne aux apôtres pour que les apôtres voilà, les les puissent. apôtres, et Oui. puis ça continue, et ça va encore continuer. Et la théologie continue à se préciser. Grâce à des théologiens qui font ce travail-là, un travail de recherche finalement, quoi, hein. Ce sont des chercheurs. Oui, avec des hypothèses. Ouais. Néanmoins, excusez-moi, Jésus-Christ, normalement, si je comprends bien l'Église catholique, c'est notre Seigneur, c'est lui qui règne sur notre planète, qui veille sur nous, qui nous a sauvés et qui va tous nous récupérer quand on sera tous morts. Qu'est-ce que Bouddha vient faire de l'autre côté de la planète, là? C'est un mystère. Bon, personnellement, moi, je n'ai confiance qu'en Jésus-Christ. Mais il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Hein, et puis, ce n'est pas le fruit du hasard non plus. Peut-être que l'Orient et les Chinois, les Indiens, étaient plus aptes à comprendre un message divin venant d'un Bouddha. Enfin, voilà. Mais ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Hein, mais personnellement, pour moi, le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Et puis le message de Bouddha, je ne tape pas du tout dessus parce qu'encore une fois, j'estime ça comme une philosophie de vie et pas une religion, mais le message de Bouddha est aussi un petit peu nihiliste, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un monde qui n'est pas la réalité, mais en plus, l'être humain n'est pas unique et indivisible, on n'est rien, on se fond dans le grand tout, ce qui est le contraire des dogmes catholiques. À la fin du monde, on retrouve même notre corps. Comme à l'image de Jésus-Christ. Donc là, c'est vraiment, il y a une grosse différence de message quand même. Mais c'est une différence de message intellectuel, de concept intellectuel. Bah, sur la création divine de l'être humain, il y en a un qui dit, bah non, l'être humain, c'est rien, et puis ça se refondra dans n'importe quoi, et, enfin, dans le grand tout, pardon, c'est pas n'importe quoi. Et il y en a quand même un autre qui précise que vous êtes créé, vous pouvez être avec nous, et vous restez un, et vous n'êtes pas rien. Pour les bouddhistes non plus, mais ce sont des philosophies extrêmement compliquées. C'est pas si simple que ça. Hein. C'est très complexe, mais même aujourd'hui, que ce soit chez les chrétiens ou la science, qui peut dire de quoi est composée la matière, l'être humain, hein? Qu'est-ce qui compose notre être? On sait que c'est composé d'atomes, etc. On sait de nos jours que les atomes ne sont pas des petites billes qui tournent les unes autour des autres, hein? Ce sont de l'énergie. C'est une énergie mystérieuse. Personne ne sait de quoi est fait la matière. Et que Voilà. la nature a horreur du vide, et que donc on ne peut pas dire qu'il y a du vide entre les petites billes et puis ce qui tourne autour des atomes. Donc il y a encore autre chose. Oui, tout à fait. Donc ça reste un peu mystérieux. Alors bon, je dirais pourquoi pas. Moi, je pense que les deux ont raison. Ah, ça c'est tout à fait oriental comme réponse. Dans le livre que j'ai eu le bonheur de lire d'Arnaud Dumouche, L'heure de la mort, et il y a aussi une précision sur le stade. Une fois qu'on est de l'autre côté, hein, parce que ça parle vraiment de tout ce qui se passe une fois qu'on est mort, donc purgatoire, on peut être dans les limbes, on peut avoir le Christ qui nous accueille, plein de choses, pour arriver jusqu'à la septième porte, le fameux symbole du chiffre 7, de la vision béatifique. Bon, alors il appelle ça vision béatifique, où là on retrouve tous ceux qu'on aime, et surtout Dieu, et que face à Dieu, on ne peut être que béat, entre autres d'admiration. Il précise que la souffrance est
hélas, j'ajouterais, importante et nécessaire pour qu'on se rapproche de Dieu. Ça c'est triste. Ouais, moi aussi, ça m'attriste énormément. Que Dieu n'ait pas trouvé d'autre moyen que la souffrance pour nous faire évoluer et comprendre. Alors, bon, il y en a d'autres hein, qui l'ont dit, mais enfin, le Messie Dieu enseigna et voulut mourir de la main de ceux qu'il sauvait afin que les plus orgueilleux parmi les hommes ne puissent plus douter de son amour. Je comprends le geste d'amour, de folie que Dieu a accepté de se laisser crucifier par des êtres humains idiots, mais il y a peut-être mieux encore pour montrer l'amour. Je vais pas faire blasphème, enfin, l'amour, il faut être martyr, il faut vivre sa passion. Il serait pas mort sur la croix, franchement, je serais encore plus heureux pour tout le monde. Et donc, comme dirait Jean-Paul II, c'est encadré dans votre livre, la souffrance est un mal, mais son effet peut être un bien. La souffrance, même quand elle n'est pas acceptée, creuse le cœur dans le sens de l'humilité et du désir, désespéré parfois, d'un amour qui sauve. C'est vrai que quand on souffre, soit on crie maman, soit on appelle Dieu. Tout à fait. Mais bon, d'un autre côté, Jésus ne nous demande pas de souffrir volontairement non plus, hein. Il y a suffisamment de souffrances comme ça dans ce monde. Et tôt ou tard, on sera tous confrontés à la maladie, la mort, etc. La mort d'un proche, donc on va tous souffrir. Donc Oui, mais enfin, il sera temps. il y a le degré de, hein, vous pensez à un Oui. petit enfant qui meurt d'un cancer dans notre souffrance et puis un qui Non, meurt, hein, ça c'est l'injustice, ça nous paraît très injuste. Oui, ça nous Ouais. fait souffrir. Oui, ça fait souffrir quand ça nous arrive, oui, c'est sûr. Alors, il y a des médiums, il y a même des messages de l'au-delà de certaines personnes décédées qui disent, mais vous inquiétez pas, une fois que vous êtes parti dans l'autre plan, vous comprenez que c'est très bien d'avoir souffert sur Terre. Donc on en reste là. Et il y a le côté catholique aussi qui dit, mais c'est très bien de souffrir, vous comprendrez plus tard. C'est un peu facile, mais enfin bon, on avale la pilule quand même comme ça. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui n'acceptent pas cette souffrance, hein. Je trouve qu'elle est injuste dans tous les cas, hein. Surtout quand ça touche ouais, des petits-enfants ou des innocents qui n'ont pas mérité ça. Même si ça touche Jésus-Christ qui a souffert sur la croix. Donc Dieu ne l'a pas voulu, ou Ben, Dieu l'a voulu. Dans le livre, hein, c'est Dieu l'a voulu, hein, pour nous faire comprendre qu'il faut oui, ça. il a voulu, mais c'est un but très précis que moi-même je ne peux pas expliquer. Il faudra demander à un théologien qui nous explique en détail, Bah, l'homme mais se mit à pécher, si ça date d'Adam et Ève, la souffrance elle-même devint utile, puisque l'homme commença à pécher, elle peut. La souffrance conduire les hommes à découvrir leur petitesse, à donc devenir humbles, et s'ils deviennent humbles, être peut-être plus amour. Voilà. Bon, oui, mais c'est encore la faute d'Adam et Ève, dites donc. c'est encore une autre histoire, hein. On parlait précédemment de la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est le mystère de la rédemption qui est lié à cette souffrance. L'agneau, Oui, sacrifié. voilà, tout à fait. La rédemption est une force vraiment mystérieuse, extraordinaire, et qui est en dehors du temps et de l'espace aussi, et qui nous touche à chaque instant et à chacun d'entre nous. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faudrait approfondir. Deuxième question, c'était à propos d'Adam et Ève et du péché originel. C'est ça, deuxième question? Ben oui, excusez-moi, est-ce qu'ils ont vraiment fait des bêtises, ces pauvres petits couples, ce petit couple, écoutez, ils étaient naturistes, c'est tout, quoi, c'est bon. Alors déjà, le péché originel n'est pas un péché sexuel, hein, ce qu'il faut savoir déjà, à la base. Dans la théologie, c'est dit comme ça, hein, rien ne nous dit que c'est sexuel. C'était plutôt la connaissance, hein, c'est l'arbre de la Oui, voilà, connaissance, et tout ils à se sont fait. aperçus qu'ils étaient nus, bon, c'est un peu légendaire quelque part, mais. Pour moi, bon, personnellement, moi, oui, c'est un récit mythique et symbolique, mais bon, pour l'Église catholique, il est important de dire, enfin, la foi nous dit que c'est un récit réel et que Adam et Ève ont bien Oui, et existé, qu'en plus etc. on y Voilà. place la notion du péché originel, d'où tous nos malheurs. Et là, la notion de péché, bah, certains disent, bon, il n'y a pas de péché, Dieu est amour, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin là, on décolle du livre, on n'en parle même Non, plus, mais. c'est la chose la plus étonnante et difficile à comprendre, hein, je pense. Il y a deux choses difficiles à comprendre qui nous dépassent, hein. Bon, cette histoire de péché originel, c'est une façon aussi d'expliquer cette injustice. Pourquoi donc ces petits-enfants atteints de maladies, de souffrances, alors qu'ils sont innocents, pourquoi souffrent-ils? En Orient, dans le bouddhisme et l'hindouisme, on va nous dire, c'est à cause de vies antérieures, donc c'est De le karma qui est une karma, loi naturelle. la Et réincarnation. voilà, on a fait du mal, donc on récolte ce mal. Bon, C'est une autre pilule. tout à fait. Donc l'Occident et le christianisme n'a pas cette réponse. Donc, à part le péché originel, quelle autre réponse donner? Je ne vois pas d'autre solution. Ben on Bon, va donc, méditer, Louis ouais, tout à Garcia, fait. et on va se retrouver dans la troisième, hélas, déjà dernière partie.
Deuxième partie avec Louis Garcia et sa maison d'édition Docteur Angélique, qu'il a été forcé de monter. Non, je n'irai pas jusque-là. Vous voulez propager la bonne parole, vous aussi, de votre côté, en tout cas faire une continuation, vous m'interrompez, on est d'accord si je dis des bêtises, la continuation du travail de Saint Thomas d'Aquin et d'autres. Et le premier livre que vous avez édité, ce qui est original, c'est fait par Forum Interposé avec Arnaud Dumouche. Bon. Vite fait, parce que là, on a passé déjà toute une partie pour vous connaître, et tant mieux, parce que je vous ai en face de moi. Et je suis bien content d'avoir entendu vos expériences qui sont plus que troublantes. Et moi, je me demande bien pourquoi j'ai rien du tout pour ma propre personne. Enfin bon, pourquoi vous et pas moi? C'est toujours la question récurrente. Arnaud Dumouche, lui, est théologien, propage la bonne parole parce qu'il a un site aussi. Il n'y a qu'à voir les liens en bas de la page. Il fait des vidéos très intéressantes. Il s'exprime magnifiquement bien avec une petite pointe d'accent belge qui est pas plus mal. Il est marié, donc il n'est pas prêtre. Il a des enfants et il est bon, donc vraiment un théologien qui est reconnu par même les évêques de Paris. Par exemple, votre livre, il a eu l'imprimature Ouais, tout à fait. lors de la mort aux éditions Docteur Angélique par Arnaud Dumouche. Mais il y en a d'autres. Vous en avez fait combien? 10. 10. Et vous êtes tous fiers des 10, il n'y a pas eu d'erreur. Après, vous n'êtes pas dit, oh là là, j'aurais jamais dû, non. Non, j'en suis très fier de tous ces livres, mais bon, certains se vendent mieux que d'autres, bien sûr. Bon, ça c'est Non, c'était juste toujours. une question ainsi de Voilà. ma part pour savoir Tout si l'éditeur faisait des censures et qu'il n'éditait que ce qu'il estimait correct à publier. Mais je publie déjà ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, et ce qui, je pense, amène un intérêt supplémentaire, voilà, dans la connaissance spirituelle. Si c'est pour rabâcher des choses déjà connues, ça m'intéresse pas. Donc, c'est vrai qu'en général, je publie des auteurs un petit peu originaux qui ont une vision un peu différente que la normale et un petit peu dérangeant parfois. Donc, toutes les éditions faites par Docteur Angélique ont l'imprimature de Louis Garcia. Non, je ne donne pas d'imprimature, hein. Il faut être évêque ou archevêque. Arnaud Dumouche, donc, je l'ai vite présenté parce qu'on peut se renseigner sur Internet sans problème. Autre chose à rajouter à son sujet, il est monumental, ce garçon. Il est surtout très actif, il a plusieurs sites internet, il répond à toutes les questions dans son forum chaque jour. On doit être à peu près 900 membres maintenant sur son forum, enfin c'est vraiment énorme, il fait des vidéos, des enseignements. Je me demande comment il trouve le temps pour faire tout ça. Est-ce qu'il dort? Je me demande s'il dort. Et l'énergie. Une énergie, ouais, Et alors, donc, incroyable. il est appelé, c'est une mission, là aussi. Ben oui, je sais pas, il faut lui demander à lui, mais bon, c'est sa passion apparemment. Puis il a une thèse originale aussi à faire valoir, à faire comprendre, et qui n'est pas validée par l'Église, même s'il a reçu l'imprimatur de l'archevêque de Paris. C'est pas une thèse qui est reconnue au niveau de l'Église. Bah non, parce qu'il y a des petits hors-cadres de temps en temps. Voilà. Très bien le livre. Alors naturellement, j'espère un jour rencontrer Arnaud Dumouche et puis lui dire très bien votre livre et on va en parler. Mais puisque là j'ai l'éditeur en face de moi et puisque c'est votre premier livre, jetons-y un coup d'œil et reprenons certaines petites choses. Effectivement, je pense que le mieux, ça serait que l'éditeur m'en parle. Parce que vous connaissez encore mieux ce que vous avez édité. Il y a certains points qu'Arnaud Dumouche, dans ce livre, qui s'articule aussi avec l'Apocalypse, hein, c'est l'heure de la mort pour notre mort personnelle, mais aussi l'Apocalypse. Il a fait des recherches sur les deux, la fin du monde et la mort personnelle. Et d'ailleurs, il associe souvent que l'Apocalypse, bah, finalement, quand on meurt, c'est notre Apocalypse aussi. Et il en déduit que le Christ, oui, on revient sur la première partie où on en parlait, baptisé catholique ou non, le Christ se révèle à tout le monde au moment de la mort. Ouais, tout à fait. C'est ça. Oui. Donc ça, c'est un des points qui était déjà soulevé sous saint Non. Thomas d'Aquin. Non, c'est sa déduction à lui. Voilà, justement, il y avait plusieurs concepts, plusieurs dogmes de l'Église qui se contredisaient un petit peu, puisqu'on dit que tout le monde doit se voir, comment dire, proposer la foi chrétienne et l'enseignement et Jésus-Christ doit être connu de tous. Oui. Bon, ce qui n'est pas le cas déjà dans la réalité. Donc comment une personne va pouvoir aller au paradis ou en enfer, au purgatoire, s'il ne connaît pas Jésus-Christ? Déjà, ça pose un problème. Voilà, donc il y avait quelques dogmes comme ça qui se contredisaient, et grâce à sa thèse, à sa théorie, tout rentre dans l'ordre et tout s'explique. Alors, il y a encore quelques petites contradictions, mais effectivement, là, on retrouve bien l'amour divin. C'est pas parce qu'on ne fait pas partie de la secte catholique qu'on ne va pas aller au paradis. Voilà. Dieu va se manifester à nous tous sur la planète et proposera le choix à nous, êtres vivants dans une autre dimension, de suivre Dieu ou de ne pas vouloir son amour.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je peux pas garantir ceci, mais on Mais alors, espère. bon, ça, c'est en tout cas, c'est l'une des Oui, voilà. thèses, même des certitudes d'Arnaud Dumouche, qui articule le livre d'une façon intéressante. C'est-à-dire qu'il y a 36 000 chapitres très bien faits, très bien détaillés sur l'enfer, sur le purgatoire, même sur l'âme des animaux. Bon, c'est un petit peu court pour moi, mais déjà, il a le courage d'en parler un petit peu. Il précise si c'est des choses certaines ou si c'est Oui. des choses qu'il a entendu dire et dont il soutient le propos, mais qu'il ne sait pas vraiment sûr. Donc, ça, c'est bon, au moins, il a l'honnêteté de préciser ce qu'il pense et de dire d'où viennent ces informations plus ou moins certaines. Il est branché à fond Saint Thomas d'Aquin, mais aussi Sainte Thérèse de Lisieux. Alors là, Sainte Thérèse de Lisieux, il en parle comme si c'était la super sainte mondiale, hein. Il n'y a D'accord. personne d'autre qui la dépasse. C'est amusant, parce qu'il doit quand même. Enfin, moi, j'adore Sainte Thérèse de Lisieux, aucun souci. Et encore, on ne devrait adorer que Dieu. Mais il y a quand même d'autres saints et d'autres personnes qui ne sont même pas saints qui ont aussi fait des choses magnifiques sur cette terre comme dans l'au-delà, non? Ben oui, mais pas seulement, il se réfère aussi à d'autres saints mystiques, comme Sainte Catherine de Sienne ou d'autres, qui ont eu des visions de purgatoire et d'enfer. Et donc sa synthèse, en fait, vient de ces visions mystiques de certains saints. Et Sainte Faustine, alors, justement, je ne la Voilà connais aussi. pas. Qui c'est, Sainte Faustine? Je ne l'ai pas lu entièrement non plus, hein, je ne la connais pas très bien. Ça fait partie des saintes qui ont eu des visions mystiques Oui, aussi. Voilà. oui. Mais bon, il faut la lire pour bien en avoir un avis personnel. Bon. Vous n'en sortez pas trop mal sur ce coup-là. L'heure de la mort, c'est un titre qui peut faire peur, mais pas du tout. C'est très joyeux, si je puis dire, parce que on comprend que Dieu nous aime. Au tout début, Arnaud Dumouche présente une explication de Dieu, Dieu Alpha, Dieu Trinité, trois personnes. Après, il précise d'ailleurs que le mot personne, naturellement, pour expliquer Dieu, c'est déjà délicat. Certaines religions interdisent de représenter ou de parler de Dieu parce que forcément, on se mentirait à soi-même. Et je pense qu'ils ont raison. Donc, plutôt que de dire personne, d'autres théologiens laissent sous-entendre que Dieu, c'est le non-né, le Verbe et l'amour. Donc là, on s'approche un peu plus sur une sorte de trois dimensions, enfin, quelque chose de peut-être un peu plus compréhensible pour tous. Et pour lui, donc, Dieu, c'est en priorité l'humilité et l'amour. Et un Dieu humble, bah, ça, c'est assez nouveau. C'est nouveau depuis 2000 ans, oui. Donc l'humilité, c'est aussi la voie du Christ, c'est notre voie spirituelle. Pour atteindre l'amour, pour atteindre Dieu, il faut être tout humble. Ouais, c'est ce qu'il faut retenir. Donc l'humilité et l'amour sont notre voie spirituelle. Et vous, avec votre expérience mystique, allez, on va le dire, on l'a dit, pof. Dieu, il était Trinité, vous aviez vu qu'une énergie, finalement. Oui, et curieusement, donc je vais vous dire quelque chose peut-être qui va paraître étonnant. Enfin, pour les catholiques, pour les chrétiens en général, la Trinité est un mystère, hein, difficile d'expliquer, etc. Moi, j'ai compris un petit peu la Trinité grâce au bouddhisme tibétain. Alors, c'est un peu particulier. Dans le bouddhisme tibétain, on parle beaucoup des trois corps du Bouddha, en fait. Bouddha a trois corps. Donc, je vous dirai pas les noms en tibétain ou en sanskrit, hein, comme le Nirmanakaya ou Sambhogakaya. Le Bouddha, donc, a un corps de gloire, un corps manifesté, donc un corps de chair, et puis le corps absolu. Voilà. Et dans la voie du bouddhisme tibétain, c'est tout le monde, chacun entre nous, devrait réaliser ces trois corps, en réalité. Voilà. Réaliser, c'est-à-dire. C'est-à-dire, nous sommes tous destinés à devenir des Bouddhas, normalement. C'est-à-dire qu'on doit prendre conscience qu'on a trois corps en nous ou on doit les travailler et les faire aboutir, ces trois corps. Bon, il y a plusieurs écoles où il y a des variantes, mais certains disent que ces trois corps, on les a déjà. Il faut en prendre conscience simplement, mais ils sont déjà là, on les a déjà. D'autres vont dire non, c'est un potentiel qu'il faut développer, qu'il faut travailler en plusieurs vies, on va y arriver. Bon, il y a quelques petites variantes comme ça. Ça n'a aucun rapport avec ce que disent pas mal de médiums, qu'on a le corps éthérique, Non, et qu'on a non. l'aura, et puis qu'on n'a aucun corps spirituel. Non, c'est Non, pas. non, Non. aucun rapport avec ça, non. D'accord, mais j'ai eu raison d'en parler. Et donc? Et donc j'ai fait le rapprochement avec la Trinité. Bon, alors c'est un peu délicat, hein, mais. Non, c'est vrai, parce que Dieu nous a fait à son image. Donc ça voudrait Oui, dire voilà. que. Je pense qu'il y a des rapprochements à faire et ça serait intéressant d'approfondir ces rapprochements. Personne ne l'a fait, il me semble. Donc j'attends un auteur qui me propose ce genre de rapprochement et je le publierai volontiers. Pour les bouddhistes, il y a trois corps qu'on doit parfaire, si je comprends bien.
Je prends des notes, hein. Et alors, c'est sur différents plans, différentes dimensions, ou c'est en même temps sur Terre, Ben, c'est en même temps et non, difficile toujours à dire, puisque bon, ce monde dans lequel nous vivons, géré, enfin, comment dire, nous sommes dans un espace-temps qui finalement n'est peut-être une illusion pour les bouddhistes. Donc c'est une réalité relative, vont-ils nous dire. Donc il y a la réalité relative, la réalité absolue, qui en réalité sont en même temps, puisque la réalité absolue est en dehors du temps. Donc la question du temps ne se pose plus. Voilà, mais c'est en même temps. Pour les trois corps, c'est un peu pareil. Mais il y a un corps intermédiaire entre le corps absolu et le corps physique. Il y aurait un corps de gloire, donc, qui expliquerait des apparitions qui arrivent aussi en Orient, de Bouddha qui peuvent se manifester dans des corps de gloire, ou même en Chine, le plus connu est la déité qu'on appelle Kuan Yin, qui est un peu à la ressemblance de la Vierge Marie. C'est une dame habillée en blanc et bleu qui apparaît dans différents lieux. Voilà, très connue en Chine, populaire. Donc le corps de gloire, ça peut être sous-entendu aussi le Christ ressuscité, on peut faire l'analogie. Oui, on pourrait dire que non seulement le Christ, mais nous-mêmes, parce que nous serons ressuscités, puisque dans l'enseignement catholique, à la fin des temps, nous allons tous ressusciter. Même les damnés, hein, qui iront en enfer auront un corps de gloire ressuscité, avec un certain nombre de pouvoirs extraordinaires par rapport à notre corps, physique actuel. C'est là où on retombe dans le livre L'heure de la mort d'Arnaud Dumouche, où il dit quelque chose d'effectivement très compréhensible sur l'amour de Dieu qui nous laisse néanmoins libres de notre choix, même s'il a écrit notre chemin, que certains évitent en allant prendre des traverses pour aller du côté bouddhiste. Néanmoins donc, notre liberté au niveau de l'arbitrage du choix est totale. Et Arnaud Dumouche précise bien que si, quand on est mort, on refuse le chemin du Christ et l'amour de Dieu, et que donc on se damne pour aller ailleurs en enfer ou que sais-je, Dieu se réjouit aussi par amour pour ce damné. Il a laissé le choix au damné de faire son choix, et donc il est content aussi pour lui, sachant aussi que de toute façon, comme on a l'éternité devant nous, au bout d'un moment, on va peut-être comprendre qu'il y aurait intérêt à se retourner vers Dieu, même si on est le piraté. Très drôle ça pour Malheureusement, Internet, Adopi, piraté, très bien. Le pire, virgule, athée, donc, de la planète. Bon, alors, s'ajoute aussi à ce que vous avez dit, un intérêt et une interrogation de ma part sur la religion catholique. Vous avez compris, je trouve un peu étonnant qu'on soit, puisque je suis catho aussi, les meilleurs, qu'on ait vraiment le chemin de la vérité, et que de l'au-delà, Saint-Pierre, qui gère déjà pas mal de choses, nous fait bien comprendre que c'est par son biais et par Jésus-Christ que tout marche bien. D'autant plus que, et c'est marqué dans le livre, il y a des analogies, vous me parliez au niveau de l'apparition de Dame Blanche qui ressemblait à la Vierge Marie, mais il y a aussi des analogies avec les Égyptiens. Arnaud Dumouche en parle vraiment un petit paragraphe de rien du tout, en nota bene, mais effectivement, Isis, Osiris, on pourrait faire une analogie avec la Vierge Marie, avec Jésus-Christ qui est ressuscité. Et les Égyptiens, le livre des morts égyptiens, ils avaient quand même compris pas mal de choses, l'enfer, etc. Enfin, ils étaient déjà bien intéressés sur la chose et bien illuminés, voire guidés de l'au-delà, je suppose, par Dieu. Enfin, rassurez-moi sur une chose. Effectivement, il y a des coutumes, il y a des folklores assez récurrents, il y a des légendes anciennes qui reviennent, hein, souvent la Vierge, un dieu qui descend pour la mettre enceinte, etc., dans différents pays, à différentes époques. Mais enfin, Osiris, Isis n'ont pas vraiment existé, c'est des dieux légendaires. Et par contre, le Christ, c'est le seul dieu sur Terre, on est d'accord là-dessus. Alors, c'est bizarre qu'on puisse s'associer à des coutumes, légendes anciennes. Et c'est étrange aussi que bon nombre de prophètes aient annoncé souvent le Messie qui arrive et que sur différentes époques et différents pays, il y ait toujours un Messie plus ou moins légendaire. Là, heureusement, enfin, on a eu le Christ véridique, l'homme historique qui est arrivé, parce qu'on ne peut pas vraiment associer ce qui a été précédemment écrit. Non, enfin moi je n'ai pas étudié l'Égypte ancienne, la spiritualité des Égyptiens antiques. Hein. On se sent que les bouddhistes pourraient dire pareil. Pour eux, le Bouddha Sakyamuni, donc le Bouddha historique qui a vécu 500 ans avant Jésus-Christ, pour eux, c'est un peu comme Dieu incarné, quoi. Voilà, c'est un peu le concurrent direct de Jésus-Christ, quoi. Voilà. Mais à part ce cas-là, je ne vois pas dans d'autres traditions, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Non. Donc il y a le côté légendaire qui peut peut-être nous préparer à la chose.
Il y a à l'inverse l'histoire d'Adam et Ève qui peut être dénaturée dans un folklore au fur et à mesure que le siècle passe et puis on n'a plus la vérité. Et puis quand même dans le livre d'Arnaud Dumouche, lors de la mort, je ne pense pas qu'il parle du Christ concurrent Bouddha. Hein. Non, Non, pas du tout. non, Non, parce que c'est moi sinon qui ça serait parle de mal ça. vu. Hein. C'est moi qui parle de ça. Mais Mais bon, on le sait, hein, quand même, à notre époque, on a accès à toutes les connaissances et bon, on est à peu près au courant de ce qui se passe ailleurs. Et chaque religion a tendance à dire que c'est elle qui détient la vérité. Hein. Bon, ça, c'est un peu classique. On le sait. Pour revenir aux Égyptiens, en revanche, dans le livre des morts égyptiens, par exemple, on peut lire clairement. Ce qui ressemble ensuite aux 10 commandements de Moïse. On les retrouve déjà bien avant Moïse dans le livre des morts égyptiens. Donc là aussi, on peut imaginer un lien. Moïse, lui, ayant été éduqué par les pharaons et les égyptiens, ça pourrait mettre un doute sur les 10 commandements qui venaient de Dieu directement, mais pourtant, on les connaissait avant. Donc c'est un petit peu curieux aussi. Bon, il y a des tas de choses comme ça hein, qu'on pourrait faire correspondre, mais Est-ce que finalement, et ça va être gentil tout plein de dire ça, le souffle divin, le Saint-Esprit souffle depuis des siècles et des siècles, et que l'homme l'interprète, le comprend plus ou moins bien, puis c'est Dieu continue de propager la même info qu'on capte plus ou moins bien. Oui, certainement. Et puis, nul ne peut prédire l'avenir non plus quant à la compréhension de la spiritualité. C'est Jésus lui-même, je ne me rappelle pas la parole exacte, mais qui dit qu'après donc après lui, viendra l'Esprit Saint pour continuer à nous révéler la suite de l'enseignement et du message, quoi. Il les Donc, donne aux apôtres pour que les apôtres voilà, les les puissent. apôtres, et puis ça continue, et ça va encore continuer. Et la théologie continue à se préciser. Grâce à des théologiens qui font ce travail-là, un travail de recherche finalement, quoi, hein. Ce sont des chercheurs. Oui, avec des hypothèses. Ouais. Néanmoins, excusez-moi, Jésus-Christ, normalement, si je comprends bien l'Église catholique, c'est notre Seigneur, c'est lui qui règne sur notre planète, qui veille sur nous, qui nous a sauvés et qui va tous nous récupérer quand on sera tous morts. Qu'est-ce que Bouddha vient faire de l'autre côté de la planète, là? C'est un mystère. Bon, personnellement, moi, je n'ai confiance qu'en Jésus-Christ. Mais il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Hein, et puis, ce n'est pas le fruit du hasard non plus. Peut-être que l'Orient et les Chinois, les Indiens, étaient plus aptes à comprendre un message divin venant d'un Bouddha. Enfin, voilà. Mais ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Hein, mais personnellement, pour moi, le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Et puis le message de Bouddha, je ne tape pas du tout dessus parce qu'encore une fois, j'estime ça comme une philosophie de vie et pas une religion, mais le message de Bouddha est aussi un petit peu nihiliste, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un monde qui n'est pas la réalité, mais en plus, l'être humain n'est pas unique et indivisible, on n'est rien, on se fond dans le grand tout, ce qui est le contraire des dogmes catholiques. À la fin du monde, on retrouve même notre corps. Comme à l'image de Jésus-Christ. Donc là, c'est vraiment, il y a une grosse différence de message quand même. Mais c'est une différence de message intellectuel, de concept intellectuel. Bah, sur la création divine de l'être humain. Il y en a un qui dit, bah non, l'être humain, c'est rien, et puis ça se refondra dans n'importe quoi, et enfin dans le grand tout, pardon, c'est pas n'importe quoi. Et il y en a quand même un autre qui précise que vous êtes créé, vous pouvez être avec nous et vous restez un. Et vous n'êtes pas rien. Pour les bouddhistes non plus, mais ce sont des philosophies extrêmement compliquées. C'est pas si simple que ça. Hein. C'est très complexe. Mais même aujourd'hui, que ce soit chez les chrétiens ou la science, qui peut dire de quoi est composée la matière, l'être humain, hein? Qu'est-ce qui compose notre être? On sait que c'est composé d'atomes, etc. On sait de nos jours que les atomes ne sont pas des petites billes qui tournent les unes autour des autres. Hein? Ce sont de l'énergie. C'est une énergie mystérieuse. Personne ne sait de quoi est fait la matière. Et Voilà. que la nature a horreur du vide, et que donc on ne peut pas dire qu'il y a du vide entre les petites billes et puis ce qui tourne autour des atomes. Donc il y a encore autre chose. Oui, tout à fait. Donc ça reste un peu mystérieux. Alors bon, je dirais pourquoi pas. Moi, je pense que les deux ont raison. Ah, ça c'est tout à fait oriental comme réponse. Dans le livre que j'ai eu le bonheur de lire d'Arnaud Dumouche, L'heure de la mort, et il y a aussi une précision sur le stade. Une fois qu'on est de l'autre côté, hein, parce que ça parle vraiment de tout ce qui se passe une fois qu'on est mort, donc purgatoire, on peut être dans les limbes, on peut avoir le Christ qui nous accueille, plein de choses, pour arriver jusqu'à la septième porte, le fameux symbole du chiffre 7, de la vision béatifique. Bon, alors il appelle ça vision béatifique, où là on retrouve tous ceux qu'on aime, et surtout Dieu, et que face à Dieu,
On ne peut être que béat, entre autres d'admiration. Il précise que la souffrance est, hélas, j'ajouterais, importante et nécessaire pour qu'on se rapproche de Dieu. C'est triste. Ouais, moi aussi, ça m'attriste énormément. Que Dieu n'ait pas trouvé d'autre moyen que la souffrance pour nous faire évoluer et comprendre. Alors, bon, il y en a d'autres hein, qui l'ont dit, mais enfin, le Messie Dieu enseigna et voulut mourir de la main de ceux qu'il sauvait afin que les plus orgueilleux parmi les hommes ne puissent plus douter de son amour. Je comprends le geste d'amour, de folie que Dieu a accepté de se laisser crucifier par des êtres humains idiots, mais il y a peut-être mieux encore pour montrer l'amour. On va faire blasphème, mais enfin, l'amour, il faut être martyr, il faut vivre sa passion. Il ne serait pas mort sur la croix, franchement, je serais encore plus heureux pour tout le monde. Et donc, comme dirait Jean-Paul II, c'est encadré dans votre livre, la souffrance est un mal, mais son effet peut être un bien. La souffrance, même quand elle n'est pas acceptée, creuse le cœur dans le sens de l'humilité et du désir, désespéré parfois, d'un amour qui sauve. C'est vrai que quand on souffre, soit on crie maman, soit on appelle Dieu. Tout à fait. Mais bon, d'un autre côté, Jésus ne nous demande pas de souffrir volontairement non plus, hein. Il y a suffisamment de souffrances comme ça dans ce monde. Et tôt ou tard, on sera tous confrontés à la maladie, la mort, etc. La mort d'un proche, donc on va tous souffrir. Donc Oui, mais enfin, il sera temps. il y a le degré de hein, penser à un Oui. petit enfant qui meurt d'un cancer dans notre souffrance et puis un qui Non, meurt. Hein, ça c'est bon. l'injustice. Ça nous paraît très injuste. Oui, ça nous Ouais. fait souffrir. Oui, ça fait souffrir quand ça nous arrive, oui, c'est sûr. Alors, il y a des médiums, il y a même des messages de l'au-delà de certaines personnes décédées qui disent, mais vous inquiétez pas, une fois que vous êtes parti dans l'autre plan, vous comprenez que c'est très bien d'avoir souffert sur Terre. Donc on en reste là. Et il y a le côté catholique aussi qui dit, mais c'est très bien de souffrir, vous comprendrez plus tard. C'est un peu facile, mais enfin bon, on avale la pilule quand même comme ça. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui n'acceptent pas cette souffrance, hein. Je trouve qu'elle est injuste dans tous les cas, hein. Surtout quand ça touche ouais, des petits-enfants ou des innocents qui n'ont pas mérité ça. Même si ça touche Jésus-Christ qui a souffert sur la croix. Donc Dieu ne l'a pas voulu, ou Ben, Dieu l'a voulu. Dans le livre, hein, c'est Dieu l'a voulu, hein, pour nous faire comprendre qu'il faut oui, ça. il a voulu, mais c'est un but très précis que moi-même je ne peux pas expliquer. Il faudra demander à un théologien qui nous explique en détail, Bah, l'homme mais se mit à pécher, si ça date d'Adam et Ève, la souffrance elle-même devint utile, puisque l'homme commença à pécher, elle peut. La souffrance conduire les hommes à découvrir leur petitesse, à donc devenir humbles, et s'ils deviennent humbles, être peut-être plus amour. Voilà. Bon, c'est encore la faute d'Adam et Ève, dites donc. C'est encore une autre histoire, hein. On parlait précédemment de la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est le mystère de la rédemption qui est lié à cette souffrance. L'agneau, Oui, sacrifié. voilà, tout à fait. La rédemption est une force vraiment mystérieuse, extraordinaire, et qui est en dehors du temps et de l'espace aussi, et qui nous touche à chaque instant et à chacun d'entre nous. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faudra approfondir. Deuxième question, c'était à propos d'Adam et Ève et du péché originel. C'est ça, deuxième question? Ben oui, est-ce qu'ils ont vraiment fait des bêtises, ces pauvres petits couples, hein, ce petit couple. Écoutez, ils étaient naturistes, c'est tout, quoi, bon. Alors déjà, le péché originel n'est pas un péché sexuel, ce qu'il faut savoir déjà, à la base. Dans la théologie, c'est dit comme ça, hein, rien ne nous dit que c'est sexuel. C'était plutôt la connaissance, hein, c'est l'arbre de la Oui, voilà, connaissance, et tout ils à sont fait. aperçus qu'ils étaient nus. Bon, c'est un peu légendaire quelque part, mais. Pour moi, bon, personnellement, moi, oui, c'est un récit mythique et symbolique. Mais bon, pour l'Église catholique, il C'est est quand même. important de dire, enfin, la foi nous dit que c'est un récit réel et que Adam et Ève ont bien Oui, et existé, qu'en etc. plus on y Voilà. place la notion du péché originel, d'où tous nos malheurs. Et là, la notion de péché, bah, certains disent, bon, il n'y a pas de péché, Dieu est amour, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin là, on décolle du livre, on n'en parle même Non, plus, mais. c'est la chose la plus étonnante et difficile à comprendre, hein, je pense. Il y a deux choses difficiles à comprendre qui nous dépassent, hein. Bon, cette histoire de péché originel, c'est une façon aussi d'expliquer cette injustice. Pourquoi donc ces petits-enfants atteints de maladies, de souffrances, alors qu'ils sont innocents, pourquoi souffrent-ils? En Orient, dans le bouddhisme et l'hindouisme, on va nous dire, c'est à cause de vies antérieures, donc c'est De le karma qui est une karma, loi naturelle. la Et réincarnation. voilà, on a fait du mal, donc on récolte ce mal. Bon, C'est une autre pilule. tout à fait. Donc l'Occident et le christianisme n'a pas cette réponse. Donc, à part le péché originel, quelle autre réponse donner? Je vois pas d'autre solution. Bon, on Bon, va donc, méditer, Louis ouais, tout à Garcia, fait. et on va se retrouver dans la troisième, hélas, déjà dernière partie.